Notre client a toujours clamé son innocence dans cette affaire. Il n'a été qu'un lanceur d'alerte. Il y a un événement imminent qui doit se produire. Il a lancé l'alerte. Et cette alerte a été considérée comme une diffamation, une injure, une offense. Donc, il a toujours bien contesté les faits. Alors, malgré tout, il est revenu à 8 mois. Aujourd'hui, il est libéré, mais ce n'est pas fini. Nous allons demander la révision. Nous allons introduire une révision pour que son casier judiciaire redevienne vierge. Parce que manifestement, il y a erreur de fait et erreur de droit. Donc nous saisirons la Cour suprême pour demander la révision de la révision pour qu'il redevienne vierge, pour que son casier redevienne vierge. Mais comme l'a dit Maître Alcheni, nous avons un sentiment de joie, de tristesse de le voir enfin libéré. Quand est-ce que vous allez saisir la Cour suprême? Dans les meilleurs délais. Mmh.